est sur le toit terrasse de l'entreprise Carré Maison, donc qui se situe juste là. Donc nous, on était à la recherche d'un toit pour installer des potagers pour notre association. Et puis cette entreprise nous a contactés parce qu'elle a vu notre annonce et du coup, elle nous a proposé de venir nous installer ici pour tester le premier bac, tester les premières installations, les premiers bacs potagers à Chambéry. L'objectif de notre association, c'est donc d'installer des jardins potagers sur les toits, étant donné que c'est des surfaces qui sont inutilisables, qu'il y a beaucoup de toits plats à Chambéry. Donc l'idée, c'est de venir cultiver sur ces espaces, sur ces grands espaces disponibles, et puis aussi d'amener du coup l'agriculture vraiment juste à côté des gens, qu'ils aient pas à se déplacer, par exemple à prendre la voiture pour aller vers des jardins partagés qui sont souvent en extérieur de ville. Donc comme ça, ils ont ça directement au pied de chez eux et ils peuvent venir faire ça avec leurs enfants. Donc ouais, en effet, c'est le premier. On a justement la caisse d'allocation familiale aussi juste à côté. Qui serait, enfin, où il y a vraiment des gros toits plats et où ce serait super de pouvoir les investir. Mais bon, en ce moment, ils sont en travaux, donc c'est pour plus tard. Après, pour l'instant, on n'a pas d'autres plans vraiment hyper bien définis, mais on espère en trouver rapidement de nouveaux toits terrasses ou de nouveaux toits occupés. Ouais. Donc là, par exemple, il y a Christophe qui est là, qui habite dans l'immeuble juste à côté, et du coup, qui va venir s'occuper en partie des potagers. Donc l'idée, c'est qu'il va venir adhérer à l'association, c'est 10 euros l'adhésion. Et puis ensuite, il va venir s'en occuper régulièrement. Il y a d'autres personnes aussi qui habitent juste à côté qui vont venir, et puis nous, on va venir... juste vérifier régulièrement que tout se passe bien pour pas que ça embête l'entreprise et puis voilà. Si on veut participer justement à ce projet et pouvoir aussi participer à l'entretien des potagers, comment on fait ? Et ben du coup, vous avez juste à nous contacter soit par Facebook, soit sur notre site internet. Et puis nous, après, on verra comment s'organiser avec vous, comment vous rediriger vers ça. Et puis si vous avez d'autres idées aussi de toits à occuper, on pourra réfléchir à ça pour installer ça près de chez vous.